sha, oh oh sha sha, eko wake. Kabini sha sha nena, sha sha ko eko bananufe. Au danse, au bisimi, la se usi korone balansando. Ma hakli juro chene tigoye, se kone don mo bulon ma da. Aujourd'hui, le festival sur le Niger, qui n'est plus qu'un festival pour Ségou, qui n'est plus qu'un festival pour le Mali, mais qui est devenu un festival de renommée internationale. Je remercie tous ceux qui ont eu à réaliser ces masterclass. C'est très chanceux d'assister à un tel. Oh, Mali. Est organisé dans le cadre de la 20e édition de ce grand festival sur le Niger. Déjà, nous avons eu à faire une première phase d'atelier de formation curatoriale dans la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives. La critique d'art et le commissariat constituent les plus faibles, les maillons les plus faibles. C'est pourquoi nous avons décidé de renforcer les capacités des jeunes artistes, des jeunes critiques d'art, afin de pouvoir qu'ils puissent mieux apprécier les œuvres d'art, pouvoir renforcer la qualité des œuvres d'art, renforcer la compétitivité des œuvres d'art. Je me rappelle encore, lorsque la première édition a été faite, bon, en ce moment, les moyens étaient très limités. Vu cette époque et l'époque actuelle, on voit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur tous les plans. Et là, regrouper bon, tous les anciens, aujourd'hui, là, c'est juste une belle initiative, bon, qui fait que les anciens vont voir en quelque sorte un scénario qui a passé depuis des années et des années. Et aujourd'hui, on se trouve dans une phase où il faut nécessairement donner le flambeau à la génération montante. Un sentiment de fierté qui m'anime. Parce que avec cette reconnaissance décernée à ma modeste personne, vraiment c'est une joie immense. Et je suis très heureux de voir des gens fêter avec nous les 20 ans. Ça n'a pas été du tout facile. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, vraiment, le festival est venu de très loin. Il y a une soirée de reconnaissance pour les anciens. Ce n'est qu'une fierté. C'est une fierté tout simplement. Parce qu'on a traversé beaucoup de chemins. Et voir que ça a été une réussite régionale, nationale, internationale, je ne fais que me réjouir. Et je suis vraiment content de me retrouver sur ce terrain-là aujourd'hui. Et participer à cette soirée, ça sera quelque chose d'inoubliable. Je garde un bon souvenir de Ségou, du festival du Centre culturel Corée et de son chef d'équipe Mamou Dafé, qui a eu le génie de faire de Ségou la capitale culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Et cette aventure-là, on a décidé de l'accompagner dedans. À un moment donné, et à un moment donné aussi, on a eu à décrocher. Féliciter Mamou à plusieurs titres, de sa constance, de son génie et de sa créativité
à rassembler toutes les catégories d'art.